Décédée il y a 2 ans, une célèbre réapparaît et donne une explication improbable. Cela fait seulement quelques jours que 2023 a commencé, mais on tient déjà là un candidat très sérieux au titre officieux de l'histoire la plus rocambolesque de l'année. Car cette affaire est effectivement digne d'un roman, plutôt de mauvais goût en l'occurrence. L'autrice américaine Suzanne Meacham, dont la mort avait été annoncée par sa fille en octobre 2020, a fait son retour sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'elle était en réalité belle et bien vivante. L'écrivaine, qui compte à son actif quelques best-sellers dont vous pouvez découvrir les couvertures dans notre diaporama, était très appréciée pour ses romans d'amour. On lui doit notamment Moments volés, L'amour dure toute une vie ou encore Le perdre et te trouver. Style diva place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screen end, minimum 8 990px, div. A place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Sa, prétendue, fille avait annoncé son décès, d'un, prétendu, suicide, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. S'en était suivie une grande vague d'émotions et d'hommages, autant de la part de ses lecteurs que de la part de ses confrères écrivains. Dans un long post sur la page Facebook de Suzanne Meacham, depuis supprimée, sa, prétendue, fille expliquait que l'écrivaine avait mis fin à ses jours suite à des intimidations et à autres harcèlements répétés de la part d'autres auteurs. Pourtant, une femme déclarant être Suzanne Meacham a mis en ligne une longue publication sur un groupe Facebook privé d'écrivains, expliquant qu'elle n'était pas décédée. « J'ai débattu sur la façon de faire un million de fois et je ne sais toujours pas si c'est bien ou non. Il y aura des tonnes de questions et beaucoup de gens quitteront le groupe, je suppose. » A-t-elle débuté sans donner de véritables explications avant d'essayer? Style diva place holdé à 1 et à 2, 8 300px, minimum et 250px, at media screen end, minimum 8 990px, div. A place holdé à 1 et à 2, 8 620px, minimum et 350px, style. Ma famille a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour moi et je ne peux pas leur en vouloir. J'ai failli me suicider, note de la rédaction, à nouveau ils ont dû revivre tout cet enfer. A expliqué la romancière affirmant qu'elle avait donc de réelles pensées suicidaires. Sans s'étendre davantage sur la chronologie de l'histoire. Je vais mieux maintenant et j'espère écrire à nouveau. Que la fête commence. A-t-elle conclu avec un ton qui, même à l'écrit, paraît tout à fait déplacé. C'est peu dire que la nouvelle a été mal accueillie dans la communauté des auteurs. Puisque celle-ci avait été particulièrement visée et remise en question au moment de la, prétendue, mort de Suzanne Meacham. Une bien triste histoire, de tout point de vue. On espère en tout cas que Netflix va sérieusement se pencher sur le sujet pour nous proposer un documentaire dont ils ont le secret.